syndrome de la page blanche. Non, non, ce n'est pas le syndrome de la page blanche. On va attaquer. Bon, l'idée pour cette toile, on va faire une jaune. Une belle toile jaune, mais très, très aérée, très saine. Comme des tout petits cartons que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Des tout petits cartons comme ça, sauf que là, on va faire un grand format. Bon. Les couleurs sont presque prêtes. Il faut que je mélange encore un petit peu mes jaunes. Mais bon, on va y aller. À l'attaque. Ne pensez pas que c'est qu'un seul jaune. Là, on n'est que sur le fond. Et il y a déjà 5 jaunes différents. Bon, alors là, mon jaune doit être, il commence à être pas trop mal. Par contre, maintenant, il va falloir que j'attende un tout petit peu que ça sèche pour pouvoir continuer derrière. Surveiller et continuer à tirer de l'huile. Bon, là on a la base. Maintenant, on va tirer tout ça pour donner plus de contraste, plus de dynamique, dynamisme. Et hop, on a la base. On va pas trop charger. On va pas trop charger. On va quitter toutes les éclaboussures de rouge et on va créer plus de dynamisme là. Et laisser l'envol. Respirer la toile. Bon, il y a des moments où il faut savoir faire une pause pour réfléchir et prendre du recul. Parce que ça a l'air facile, mais ce ne l'est pas. Il faut toujours, toujours réfléchir. Que tout tombe bien. Plus les couleurs. Donc, cigarette. Ah non, tabac, tu. Fumez pas, ne fumez pas. Bon, là c'est l'impression que j'ai l'impression d'être un couillon parce que je vais rester peut-être 2 heures, 1 heure, 3 heures, des fois le lendemain à regarder la toile non-stop, à savoir ce que je vais corriger, rectifier, tirer, chambouler. Et là, des fois, la personne qui vit avec moi, des fois, se moque un petit peu de moi hein, parce que je suis comme un zombie en train de regarder ma toile. Bon, bah là, je suis en pleine période où je vais regarder ma toile. Bon, en tout cas, à suivre, vous la verrez finie sur le site http://pelka.blogspot.com et puis bah, vous la verrez finie et puis à bientôt, ciao!
Là, je vous la montre quand même. Ça, c'est le plafond. Là, on va rectifier, on va réfléchir à ce qu'il faut changer. Et voilà, à suivre pour les finitions et à la retrouver sur le site. Terminé. Je mets plein de peinture sur les filles.